La Journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Cette année, la mobilité urbaine a été choisie comme thème évocateur des préoccupations liées au développement urbain et notamment à la lutte contre le mal-logement. Abidjan est la deuxième métropole de l'espace CEDEAO après la grande ville de Lagos. Cela en termes de population. Il est évident que compte tenu de sa croissance exponentielle, notre capitale qui compte aujourd'hui plus du tiers de la population de notre pays souffre de la problématique donc de la mobilité urbaine. Le gouvernement ivoirien vient de lancer un vaste programme de réalisation d'études d'urbanisme, des schémas directeurs et des plans d'urbanisme directeurs de tous nos grands centres urbains de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan. Dans son message, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a expliqué que la problématique de la mobilité urbaine est une priorité du gouvernement qui est engagé dans un projet de revalorisation des zones urbaines en difficulté. Le gouvernement l'a compris très tôt et c'est pourquoi, dès le mois de juin 2011, il a confirmé et réactivé tous les projets de construction des voies structurantes de la ville d'Abidjan, tout en lançant aussi un vaste programme de logements sociaux. À l'intérieur du pays, nous venons de démarrer 27 chantiers sur 32 chefs-lieux de département. Tous ces programmes tiennent compte de la problématique de la mobilité urbaine, parce que nous devons faciliter le déplacement de nos populations de ces lieux d'habitat vers les lieux d'activité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire,